Donc il faut que je prenne le vaisseau. Ok, il y a un tournoi au Colisée, quoi d'autre? Ah oui, c'est vrai, il y a... Et voilà, il est là. Yozer Billy, tu vas bien? Mais oui, en plus, il avait dit aux princesses qu'il allait prendre le vaisseau pour je sais plus quoi. Et moi, j'avais carrément zappé ça. Bon, est-ce que je vais me faire niquer mon vaisseau? Je sais pas. Normalement, juste à éviter les gros. Hein. Les petits, je peux les tuer. Heureusement que ce système est mieux foutu hein, dans le deuxième que dans celui-là. Mais je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, j'avais l'impression que c'était encore dans le château. Hein. Salut Karnak, tu vas bien? Merde. Ouais, j'ai pas assez de puissance de feu avec ce truc. Hein. Le high wind, c'est pas très très fort. Hein. Dommage. Enfin, peut-être que j'essaie d'en crafter un jour. Hein. J'ai tellement la flemme de crafter un vaisseau Gumi sur le premier. Hein. Oh merde. Joli laser. Putain. Le pire c'est que je peux pas les buter eux, forcément. Et ceux qui sont devant. Sur la tête, je devrais peut-être faire la même, mais bon. Mais j'ai jamais fait vraiment le craft des gummies dans le 1. J'ai plus fait dans le 2. Hein. Mais en même temps, le 2, ils l'ont amélioré sur plein de trucs, donc bon. Fin du monde. Ouais, là c'est la fin du monde. Those worlds will be restored if we beat Ansem, right? You betcha. But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place and to us? This is a heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure. Ah, merci à toi, Joseph, pour ton follow. Bienvenue sur le stream. Yeah, you're right. Oh, poof, it's... I'll return this. I promise. Bah, le truc, c'est que bizarre. Enfin, cash, la première fois que je l'ai fait en français. Uh-huh.
Pas ce délire. Ils ont des épées, eux. C'est quoi ce délire? D'où ils ont des épées, hein? J'aurais peut-être volé, en fait, parce que si je dois affronter ces monstres trop souvent, ça va être chiant. Il a les mêmes patterns que Squall. Putain. D'où des mobs ont les mêmes patterns de combat que Squall. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Merde. En fait, je dois pas me déplacer comme ça, quoi. Je dois... Ah non. Non, non, rien à voir en fait. Merci. Oh. Ah, c'est monstre quoi. Bon, il y a aussi des coffres surprises à ce que je vois. C'est un peu tendu quand même qu'ils puissent se fendre dans l'air, eux. Hein. Merci. J'en peux plus de mes allergies, Pretty Stone. Ok, c'est bon. Ouais. Alors j'arrive d'ici. Hein. Je sais même pas si ça me sert de vraiment les récupérer. Je sais même pas s'il y a encore une sauvegarde. Méga potion, c'est... Comment ça, un omni-slash? Je vais vraiment tous les faire? Mais genre vraiment. Limite je devrais rush et m'occuper du reste plus tard. Hein. Ouais je vais faire ça, tant pis, hein. Je vais rush parce que ça devient relou. Les allergiques à ma beauté, bah putain. Bah putain. Ah merde. J'ai quand même pris ce coup. Hein. Heureusement qu'il est pas dur à tuer parce que sinon ce serait relou. Hein. Allez, encore un petit coup. Hein. Non, ça va. Mais celui-là, en fait, il est vraiment simple à faire au final. Contrairement à tous les autres. Il y a 2-0 là, vous êtes sérieux? Waouh. Et dire que j'entends pas encore les voisins crier quoi. Je suis choquée et déçue. Hein. Il y a encore un point de sauvegarde. Parce que s'il n'y a pas de point de sauvegarde, j'aurais fait tout ça pour rien. Donc autant rush. Non. Toute de ma gueule. Hein. Ok, eux alors, eux sans déconner, c'est censé être des mages, je pense. Mais ils se tuent super, super vite. Mais étonné parce qu'en général les mages se protègent bien et arrivent à
à placer leur sort et tout. Hein. Ouais, peut-être que mes voisins sont peut-être allés voir le match ailleurs. Hein. Non, j'avoue, c'est vrai que là, on n'est pas en train de parler de foot, mais plus du jeu vidéo, mais bon. On parlera de foot plus tard, quand je retournerai sur LoL, les gens. C'est cool pour la France. Mais je pense pas qu'on débattra sur le foot ici. Enfin, ça m'étonnerait. Déjà, j'aurais rien à dire, je pense. Genre, j'aurais vraiment rien à dire sur le foot. Oh putain. Il est relou hein. Ouais, non, je suis quasiment sûr que je fais tout ça pour rien, mais bon, hein, tant pis. Au pire, je reviendrai sauvegarder tout. Hein. Ouais, si, je l'ai récupéré, soin X, regarde, j'ai Kuraga. Non, j'ai Kuraga, j'ai Firaga, j'ai juste pas le reste. Genre. Il me manque Blizzard, mais Blizzard, je sais que c'est à l'arène. Que je me fasse pas avoir encore une fois. Oh non, encore un. Il a pris un stop lui. Hein. Il m'a suivi quoi, j'y crois pas. Non, j'ai pas WoW, j'ai jamais joué à WoW de ma vie, hein. même pas un serveur privé. Hein. Putain, mais même Legend ici met quoi. Ah, je peux pas le récupérer, c'est quoi ce délire? Ah si, je peux. Hein. Ah bah non. Nae, tu saurais me dire s'il y avait encore une sauvegarde après ou pas. Je sais plus du tout. Hein. Et je sens que ça va me faire tilt si je recule et qu'en fait... Il m'en reste un là-bas à récupérer. Hein. Oh mon dieu, je le sens pas. Genre il y en a encore 3. En fait c'est chelou genre le chemin là.
Ah ouais, d'accord. Je viens de comprendre un truc. On est d'accord là, je crois que j'ai tout récupéré. Bon, normalement j'ai tout récupéré. J'imagine qu'il est plus dur ou pas du tout? Non, c'est toujours le même. Il a le même nombre de PV que les autres. Non, je peux pas. Putain, je peux pas. Mais. Pourquoi je suis coincé par son gros cul, hein? Ah, c'est parce que j'ai lock le truc, à mon avis. J'arrive pas à sauter correctement. Merde. Et à chaque fois que je saute correctement, là, je fais le pas de trop là qui me met pas bien. Je vais rester au-dessus, tiens. Qu'est-ce qu'il a fait, Galayan, pour se faire time-out? Non. Il m'a quand même mis sacrément cher, là. Oh, c'est bon, encore un petit combo et je le tue. Hein. Non, bah en fait c'est pas vraiment... Ça a été un petit boss au début, Simia, et au final là c'est... C'est un... Comment on appelle ça déjà? C'est un... C'est devenu un mob normal, quoi. Ouais. Au final, je m'étais trompée, hein. Il y a plus de monde que ça, hein, dans ce jeu. Il y a beaucoup plus de monde que ce que je pensais. Ouais, non, mais c'est, je sais que c'est chiant, mec, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger avec le temps, Dekarion. Il faut juste que tu récupères les derniers sorts. Bah, en fait, c'est à partir du niveau 47-48 que ça commence à aller au niveau des cycles de DPS. Mais bon, il te manquera toujours les deux sorts de fin, quoi, qui rendent le truc vraiment génial. Hein. Je sais pas s'il y a encore des coffres à récupérer, là. J'essaie de récupérer un peu tout
sur le passage. Non, mais on dirait un Minecraft géant, quoi. Non, au pire, je reviendrai. Hein. Non, au pire, je reviendrai, et puis voilà. D'un côté, j'aime pas trop qu'on me demande des trucs sur la vie privée. C'est pour ça que je décide de plus répondre à ce genre de questions. Hein. Parce que je trouve que ça ne concerne que moi en général. Hein. Ma Zelda Twilight Princess, ça serait tellement beau. J'ai jamais joué à Zelda. Mais j'ai fait Zelda Oracle des Âges et Zelda Oracle des Saisons sur ma Game Boy Color. Non, j'ai jamais fait les autres parce que j'avais pas les consoles pour. Donc bon, voilà, à la maison, on a toujours été un petit peu pro Sony. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai qu'on fait un peu un tour, pas. On va faire un tour un peu près partout. Hein. Il me semble. Mais il est relou lui. Ah elle aussi hein. Thunder Gem, ok. Et après. Non, après on revient à chaque fois. Et ça va... Non, ça va être comme ça à chaque fois, je crois. Il faut. Non, même un, je crois que c'est la lune de la destinée, non? Je sais plus. Hein. Non, je pense pas. Enfin, je pense pas que je sois obligé de les faire ceux-là. Mais clairement, je me souvenais pas que c'était aussi long. Hein. Ouais, je savais que j'aurais dû lire un jour un guide. D'accord. Bien, je vais voir. Je vais voir si je peux les bypass. Hein. Mais je crois que je suis obligée de les faire. Hein. Je suis pas sûre. Hein. Ça me fait une loupe en infini, je pense que je serais obligé de les faire, mais... Ah. Non, c'est bon.
Oh non, ça je comprends, hein. De toute façon, moi ça me fait la même des fois. Là j'ai déjà perdu pas mal de temps, tu vois, avec en pensant que qu'il fallait encore rester à Hollow Bastion alors que pas du tout. Hein. Alors que pas du tout, hein. J'arrivais pas à les approcher, c'est relou quoi. Ça joue aussi. Hein. Je vois aussi on va. Et dire que ce passage là aura dû me mettre sur la piste sur le 2, hein, cage 2. Hein. Mais non. Bonjour Zip, tu vas bien? Moi aussi je vais bien. Je vais même très bien. N'est-ce pas Zip? Est-ce que tu es bien installé? Ah, il est bien installé, il en a rien à foutre de ma gueule. Hein. C'est genre aîné. Comme ça, est-ce que je te fais tomber de mon fauteuil? Hmm? Pas tomber. Tu m'en voudrais si je te faisais tomber, hein? Miaou, miaou, hein? Miaou, miaou. Bon, allez, ça va être un combat chiant! Je déteste les combats en l'air. Mais de ouf, hein. Pour moi, c'est les pires combats. Parce que tu peux pas faire de roulade. Tu peux pas accélérer ni rien, quoi. En plus, la plupart du temps, la caméra, elle se fout de ta gueule, donc bon... Oh mais horrible, j'arrive pas à le focus. Oh les combats en l'air là, mon dieu quoi. Bientôt le tomber, mais pour le tomber il faut que je puisse le lock correctement. Ok c'est bon.
Ouais, mais de toute façon, Galayan, si je joue tank sur FF, tu vas me détester parce que je sais pas jouer tank. C'est tellement horrible. Genre, je déteste jouer un tank. C'est encore pire que heal. Parglide. Oh, d'accord. Bien plus facile de voler dans FF qu'ici. Ah. Je me serais pas trompé un peu de chemin. Je n'aurais pas fait le chemin inverse par hasard. Non? Ah si. Hein. Oh, je le recroise encore lui. Ouais, dans FF tu peux voler Rikia. Ah non, c'est Elessence. Putain, j'ai confondu Rikia et Elessence. Non, mais il manque un coup, s'il te plaît. C'est pas l'enfant le jeu. Oh, Marmite, tu vas bien? Non mais je crois que je me suis trompé d'endroit, hein, genre. Je sais pas si je suis revenu en arrière, on dirait pas là maintenant. Ou je suis bien dans la bonne direction. Oh ouais, je commence à entendre le bruit. Ça m'étonne. Enfin, je sais pas. Attends, j'entends du bruit, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Je pense que c'est mon ventilo. Hein. Non mais tant mieux en fait. Genre, je me suis bien équipé ce soir. Hein. C'est sûr qu'il y a plein d'items qu'il faudra que je drop ici, je le sens bien. Pour finir le jeu à 100%. Mais... meurs un jour, je sais pas. Encore? Oh punaise! Je vais mourir.
Je crois que c'est le dernier. Encore, putain. Ça va bien s'arrêter un jour. Ah là, je les entends. Mon dieu, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Punaise, même toi, Eroanon. Encore ? Ça finit jamais ? Genre ça finit jamais ou quoi ? Et meurs toi ! Non mais c'est abusé. Ouais, clairement, c'est le combat infini là. Hein. Non, mais c'est pas normal. Ah non, c'est peut-être plus je les tue, plus ça ouvre la porte. Je vois que j'ai pas mal déjà, j'ai déjà ouvert pas mal, mais. Non, c'est pour ouvrir la porte. C'est pas sans raison les combats, donc ça va quoi. Putain, à dire qu'il y a un mec qui a réussi à faire ça en moins de 3 heures quoi, ou 4 heures, je sais plus. Finalement, on a réussi. Oh, je suis désolée, Potatoes. Coucou Tira, ça va? Ah ouais, non, mais ça s'arrête carrément plus chez vous. Mais de mon côté, ça, on n'entend pas. Enfin, on entend un peu, mais c'est quand même. Enfin, genre, j'ai pas besoin que les voisins ils ouvrent la fenêtre pour manifester leur joie. Je suis au courant qu'ils sont heureux. Ça, c'est ça le truc. Mais ouais, je les entends un peu. Je les ai entendus un petit peu, quoi. Mais ça va, c'était pas très audible. De quoi le mec n'était pas humain? Griezmann? De toute façon, tous les ans t'as un petit pro... Enfin, tous les ans, hein. Tous les deux ans t'as un petit prodige. Du foot qui fait que les gens vont être à fond, etc. etc. et voilà.
There's no light to protect you, but don't be afraid. Your heart is the mightiest weapon of all. Remember, you're the one who will open the door to the light. I don't hear anything strange. That voice was so familiar because maybe it's just my imagination. Maybe you'd better take a rest. Okay, Ah ouais? C'est vrai, Brissix, il a fait combien de temps? Il avait fait combien de temps celui qui a le record du monde? Non, mais laissons pour ce soir, parce que franchement, c'est vrai que c'est un peu le moment de gloire de la France d'avoir battu l'Allemagne. Donc bon, et c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Enfin, c'est pas un truc qui arrive tout le temps, hein. Même si honnêtement j'en ai un peu rien à foutre. Simplement parce que, comment dire... J'ai jamais vraiment regardé le foot. Il a fait 2h59. Voilà, j'en étais sûr, moins de 3h. Coucou Shiriketsu, tu es toujours bien? Non, 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 il est posé. Il est posé, il n'existe pas à ses yeux. Moi par contre, je préviens, ça va être pathétique. Ça va être pathétique. Je sais plus si c'était un combat en solo ou autre. Take a look at this tiny place. Ah, t'as passé une bonne soirée donc. Seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. Il te reste le quest à faire, Galayan. Sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds. He opened his heart to darkness. Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true. The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. So you have come this far, and still you understand nothing. Every light must fade, every heart return to darkness! Okay, c'est parti. C'est parti. Ouais, t'es sûr qu'il allait me faire le coup, c'est toujours pareil. Sans obligé de m'attaquer en traître.
plus, il a masse PV, quoi, comme de par hasard. J'ai pas pu. Hein. Je pensais pouvoir utiliser Rana jusqu'au bout, quoi. Non. Bâtard. Par contre, c'est pas possible. Là. Le pire, c'est qu'il lui reste pas grand chose, quoi, donc je voudrais bien le buter. Hein. Bien se casser ce truc de moi. Et sérieux ? Il va arrêter, il me casse les couilles, il lui manque pas beaucoup de PV, il va faire son truc de merde là tout le long. Ah mon dieu, ça va. Sephira, je pense que c'est pas pour tout de suite. Hein. Et après, il y a un combat solo. Normalement. Si je me trompe pas. Il me semble qu'il y a un combat solo. Hein. Ronan, non, tu ne feras jamais ça, c'est mort. Il n'y a pas de permission pour les. Ah, ils ont tout utilisé, ça m'étonne même pas. Oh, c'est pas une question de payer une mouton, mon chéri, c'est que les gens sont heureux de voir leur nation win. Et je les comprends, tu vois. Non. Ha!
J'aurais pu le finir à ce moment-là en fait. Est-ce que le handball c'est pas aussi médiatique que... Peut-être pas le bon moment. Non mais non, c'est pas normal ça. Je fais quoi contre cette merde là? Contre sa merde, si me contrôle, je fais quoi? Faut juste prier pour survivre. Là, je sais qu'il est en mode invincible, ce connard. Je vais rester le plus près possible pour pouvoir l'attaquer juste après. Ouais, peut-être pas en fait. Non, il est pas sérieux! Mais nique ta mère! Récupère ta merde, je sais pas. Oh là, il va encore faire son truc. Vraiment, il n'y a plus rien après ça, il faut juste que je le finisse. Ragnarok. Il ne reste pas grand chose en plus. Ah c'est bon, je l'ai tué. Mon dieu. C'est quoi Legend of Legaia? Je connais pas du tout, hein. Mais il y a plein de jeux que je connais pas. D'argent. Behold the endless abyss. Within it lies the heart of all worlds. Ah, on va avoir la fin. On va avoir la fin.
Ouais, les dents de Gaïen, j'avoue que c'est abusé. Hein. You'll not find even the smallest glimmer of light. From those dark depths are all hearts born. Even yours. Darkness conquers all worlds. Giving up already? Come on, Sora. I thought you were stronger than that. Ouais, c'est ma console qui est en anglais, mais je vais modifier ça et les scènes. Non, cherchez pas à dépasser Galayan ou Dekarian. C'est un peu compliqué, je pense. En plus, en général, enfin, faites pas. Aïe, aïe. Beast Boss aussi. Les combats dans les airs, c'est les pires trucs qui existent. Je peux pas faire de combo sur ce truc. En plus, la caméra est chelou, alors là, encore pire quoi. Ouais, les combats en l'air comme ça, je déteste. Oh, oula! Ils veulent pas me lâcher un peu ces trucs. Laser de merde. Non mais... C'est dur. J'arrivais pas à remettre ma caméra correctement. Et avec ces lasers qui arrêtent pas de me taper, je devrais juste les ignorer et continuer de le taper, hein. Là, je me dis heureusement que j'avais 36 000 méga elixir et tout. Hein. Que sans ça, je pense que j'aurais un peu galéré et tout. Hein. Ok, c'est passé, hein. Non, non, essayez rien du tout. Je l'ai déjà dit, je veux pas vivre du streaming. Je cherche pas à avoir un SMIC avec le stream. Surtout que la plupart des dons, je l'ai dit, je l'utilise pour faire de, pour acheter des cochonneries, donc bon. Et des jeux. Mais des cochonneries. Et là, je dois affronter combien de sans-coeurs pendant... Attendez... Est-ce que c'est comme tout à l'heure quand j'ai dû forcer la porte? C'est-à-dire que je vais les affronter pendant 10 plombes, les monstres. Non? Qu'est-ce que c'est? C'est le roi Mickey! C'est le roi Mickey! Non? Putain, j'ai cru que c'était le roi Mickey! Merde alors! Bon, est-ce que je vais être avec Donald et Dingo cette fois? Ou est-ce que je dois encore l'affronter en solo?
Ah oui, non, mais oui, ça c'est sûr, hein. De toute façon, je l'ai dit, hein, FF15, il sort, j'y joue, hein. Ah, je crois que je peux pas le taper encore. Ok, faut m'expliquer. Quelle est donc cette strat déjà? Il faut que j'essaie de m'en souvenir, mais peut-être que c'est ça que je dois taper. Non, je peux pas. Yeah, Soleris. Je suis en train de me demander. Ah, peut-être de ça, hein. Non? Ah oui, en fait c'était ça, c'était... Oh, oh punaise, c'est chaud en fait, je sais pas comment je pourrais avancer. Parce que moi je sais vraiment pas voler en fait. C'est tout ça mon plus gros souci. Hein. Voilà. Et je me fais harçonner. Enfin, je me fais déséquilibrer super vite par le truc. Est-ce que je récupère Donald et Dingo là? Portail des ténèbres. Allez, laisse-moi rentrer là. Mais... J'arrive pas à rentrer dedans, c'est normal. Ah, c'est bon. Hein. J'arrivais pas à le récupérer, enfin j'arrivais pas à avancer. Hein. Enfin j'arrivais pas à rentrer dedans, quoi, tout simplement. Pourquoi cette chose dans le noir là que je n'arrive pas à toucher non plus, hein. Imagine en expert, je crois que t'as pas le droit aux potions. Enfin, tu peux pas. Tu récupères pas autant de potions, méga potions, méga éther. Et t'imagines si je meurs maintenant, j'ai l'air tellement retard. C'est trop noir, les gens. Mais bon, c'est un peu logique. Hein. Tu vois pas où ils sont, tu peux juste les lock comme ça, mais même comme ça, tu vois, ça suffit pas. Ah bah, level up Dingo, pardon. Je veux trop rush les trucs, j'ai trop envie de voir de Mickey. Ouais, mais en même temps, ce boss a l'air un petit peu relou, quoi. On sort par là? Oh. Allez, c'est parti, les gens. Tapons la gueule du dragon. Enfin, si on appelle ça un dragon, on dirait un zombie, hein.
Allez, Dingo. Je sais que je peux compter sur toi pour le finir, ce truc. J'ai failli mourir. Hein. Reste plus rien. C'est bon, on est tranquille. Maintenant, on va récupérer notre ami Donald. Enfin, je crois, normalement. Bah, en fait, il est chiant dans le sens où c'est dans les airs, quoi. Mais sinon, j'ai connu des boss pires que ça, mais après... Oups, là j'ai failli mourir bêtement, mais je le vois pas, il me saoule. En plus, c'est ceux avec les épées là, avec les patterns de Cloud. De Squall, je sais plus. Hein. Fais comment pour te battre contre l'ombre en fait, hein, contre les ténèbres comme ça. Quand t'es dans les ténèbres et que la seule lumière que t'as, c'est le cœur, hein, le sang-cœur. Hein. Ça passe. Ah, c'est le dernier. Hein. Bon, moi je veux Mickey, hein. Mais... Oh, finalement. On a situé ça. Ah, franchement, il est... Ouais, il est vachement bien, je trouve. Le pire, c'est que Cash 1, je l'avais fait il y a un an et demi. Deux ans, à peu près. Ouais, je l'ai fait il y a deux ans, à cette même période. Comment ça, mal mes clichés? De quoi tu parles, Inou, hein? Arrête de me casser les couilles aussi. Hein. What? Non mais cassez-vous avec votre spoil là. Ouais, acheter tous les caches. Mais please quoi, laissez-moi en paix. Putain de combat relou!
C'est ça, rester derrière l'ennemi, exactement. Mais de toute façon, Risix, je cherche pas à faire le beau jeu, hein. Je veux juste finir. Finir le jeu parce que ça doit être la quatrième ou cinquième fois que je le fais. Dans le don pour le sortir sur toutes tes consoles. Ça cache, ça sort un peu partout au final. Hein. Coucou Melol, tu vas bien? C'était futile. La Keyblade seule ne peut pas fermer la serrure. Royaume des cœurs, remplis-moi de ton pouvoir des ténèbres. Supreme darkness. You're wrong. I know now, without a doubt. Kingdom Hearts is light. Mais tu vois, j'adore ce genre de cliché hein, dans les jeux. Je sais pas pourquoi, mais bon. Les héros de la lumière, les ennemis des ténèbres, etc., etc. Keep pushing. Mais moi, tu vois, j'aime énormément la voix de Dingo et la voix de Donald en anglais. Je les trouve trop kiffantes, leur voix en anglais. Non, je connais pas Inu. Hein. Ouais, c'est la fin, Milky. Mais le scénario du 2 est génial. Mais franchement, tu vois, c'est un truc que je préfère dans les versions originales. Tu vois, c'est les voix. Parce que, tu vois, elles ont été bien choisies, ils ont pas pris n'importe qui et tout, enfin, voilà. Mickey! D'accord, je regarderai une nuit. Et franchement, le visage de Riku, tu vois, comme ça, t'es... Je sais pas, c'est... Y'a mon petit cœur qui fait doki doki là. Non mais c'est trop chou, c'est abusé quoi. J'aime vraiment trop l'histoire du jeu. Mais non mais l'histoire du jeu, enfin déjà dans 1 c'était pas ouf, mais c'est pas grave, tu vois, je trouvais ça trop adorable. Mais plus le temps passe et plus tu comprends des trucs. Hein. Mais là tu te dis putain mais pourquoi une fin comme ça pour un jeu pour enfants? Au début tu comprends pas, c'est seulement par la suite en faisant les autres jeux que tu comprends. Mais ouais. Et la musique quoi, la musique, ils l'ont tellement, tellement bien fait la musique. Thank you.
what you said before? I'm always with you too. I'll come back to you. I promise. I know you will. Et voilà. Moi aussi, je vais monter Star Wars dans le 3. Tu as décidé de te réveiller ? Viens, viens avec moi. J'ai décidé de te faire chier parce que je t'aime bien. Miaou ! Non ? Miaou ! Tu m'aimes pas? Tu m'aimes plus? J'ai décidé de l'embêter parce que j'avais envie de l'embêter et du coup il est pas content. Il veut pas de câlin! Il veut pas me réconforter. Mais j'avoue que cette fin est vraiment, vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment mad. Non, en vrai, il est en train de ronronner, il est tout content. Non, il est tout content en fait. Il est content que je l'ai embêté en vrai. Je suis contente quand même d'avoir vu la fin. Je suis peut-être la seule à la trouver géniale à Iris, mais bon. Non, je suis trop triste, Brissick, c'est pour ça que j'aime pas finir mes jeux. La dernière fois que j'ai fini un jeu, c'était Transistor. Et j'étais limite en... J'ai failli pleurer, quoi, à cause de la fin. C'est pareil pour quand j'ai fait Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre. Je fais, mais pourquoi une fin pareille, tu vois, genre, bon d'accord, c'était une fin logique, mais...
Ça me faisait trop pleurer. Et 3 ans plus tard, c'est pareil, ça m'a fait pleurer sur la fin. Et Dust, je suis sûre que quand je vais finir le jeu, je vais avoir le même genre de fin qui va me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce jeu? Tu vois, c'est pour ça. Mais on n'arrête pas de me bait avec des jeux comme ça, quoi. Pareil, quand j'ai fini FF10, j'étais là, je fais, putain, j'en ai marre de cette fin. Non, c'est clair qu'on a heureusement qu'on n'a pas fait ce Crazy Score. Hein. Finir un livre. Ah, mais exactement, Potatoes. Des fois, quand je finis des livres avant, c'était. J'étais chez. Mais pourquoi est-ce que j'ai lu ce livre? J'ai jamais fait Dark Souls 1. Il y a quelques livres qui me faisaient pleurer, genre Paul et Virginie, je sais pas si vous l'avez vu, lu, hein. C'est un vieux livre de la littérature française et tout, mais celui-là, l'histoire m'a fait quand même pleurer à la fin, alors que ça aurait pas dû, mais bon. Et pareil, quand j'avais lu Mémoire d'une geisha d'Arthur Golden, ça avait fait le même effet, même si ça se finit plus ou moins bien. J'ai pas encore fait Life is Strange, je le ferai aussi. Hein. Ah, c'est possible, Brissix. Mais en plus, j'ai regardé un petit peu Crazy Score quand une amie à moi a fait le jeu. Hein. Gali, hein. Et c'était vachement vachement triste et j'étais, je fais pourquoi j'ai regardé ça. Mais à chaque fois c'est pareil quoi, c'est toujours le même jeu, même Drakengard ça m'a fait le même effet. C'est le jeu pour lequel je m'en foutais, tu vois, de l'histoire à la fin. Par exemple il y a eu quoi, il y a eu Dynasty Warriors, je m'en battais les couilles, mais genre mille fois. Final Fantasy 12, l'histoire bat les couilles aussi un peu de la fin, ça m'a rien fait non plus, mais j'ai bien aimé quand même. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? La fin de FF7, elle m'a rien fait non plus. Par contre, la fin de FF8, j'ai eu un pincement de cœur, mine de rien. Pour la fin de FF8. Et la 9, pareil, j'ai eu un pincement de cœur aussi. Hein. La fin de la Croisée des Mondes. Je crois que je l'ai déjà vu celui-là aussi. Hein. T'es sérieux, Décarion, casse-toi. Non, la Ligue Pokémon, ça m'a rien fait non plus, hein, de finir le jeu, de battre les 4 maîtres de la ligue et tout, enfin du plateau indigo, je sais plus comment on appelle ça. Mais bon. FF6, je dirais pas ça, mais FF6 en fait, je sais pas, j'étais contente de l'avoir fini par contre. Pas contente dans le sens où j'en avais marre, mais contente dans le sens où je l'ai enfin fait quoi, le jeu, hein, tu vois. Parce que tout le monde me disait de le faire et tout, et genre de façon très très objective, genre il m'a plu, hein. Il était super bien et tout, mais le problème c'est que tout le monde me l'a vendu en mode c'est le meilleur jeu au monde, etc, etc. Enfin le meilleur FF au monde, et quand je l'ai fait, bah tu vois, j'avais compris qu'ils avaient raison, mais sans plus quoi. Clairement c'est pas mon préféré. Finaise. Je crois qu'on va faire FF6, tiens. Le manga Pokémon, j'ai pleuré devant. Aïe aïe. Quel système de cartes feu? Thank you.
Ah, Chains of Memory. Bon, on va le faire à partir de demain. On va le faire à partir de demain. We've got to find Riku and King Mickey. But, where do we start looking for that there door to the light? Huh? Ah! Plutôt. Hey, Pluto! Where have you been? Huh? Gosh, that's the king's seal! Hey, have you seen King Mickey? Guys, let's go! Coucou Maka, tu es bien? Souviens-toi, Sora. Tu es celui qui ouvrira la porte de lumière. Non, la porte à la lumière. C'est une bonne question, Inuloki. Hein. Ça va, ma cat. Mais voilà, du coup, on a fini. On a fini. Cash, hein. Final Mix. Tout ça, de ça. C'était génial. J'adore cet artwork, je trouve trop beau. Si un jour je trouve cet artwork et que je peux la. Enfin. Si je le trouve en Canva et tout, je le prends, je m'en fous, je le foutrai dans mon salon ou dans ma pièce de jeux vidéo. Mais je le trouve trop beau. Donc ouais. Et non, j'ai pas la fin secrète. Ouais, il y a plein d'autres jeux Destroyer. Hein. Du coup, je vais couper le replay de cet épisode. J'espère que ça aura plu à pas mal de monde. Et du coup, on va commencer. Bah, je pense que je vais faire Chains of Memories. En tout cas, pour ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à liker le Facebook, abonner, enfin, follow sur Twitter, follow la chaîne sur YouTube, ou alors la chaîne Twitch, comme vous voulez. Et voilà.